Il n'y a que des bretons sur ce stream. Non, mais je crois que de toute manière, le breton est un expatrié de base. Le breton voyage beaucoup et je pense que si tu cherches un petit peu dans tes origines, à un moment ou à un autre, un breton sauvage apparaît, ça ne m'étonnerait même pas. Allez, Zang Zang, c'est ton moment! Oui! Zang Zang, le plus fort! C'est marrant de voir marqué victoire! Avec ma petite tête de mort à côté, quoi! Aujourd'hui même, je peux même vous donner l'adresse! Mon essence, boîte postale 11, 3 rue Lamartine, 29770, Audierne. Tu peux m'envoyer mon cadeau de Noël. Donc, vous l'avez demandé. C'est fait, c'est là. Non mais alors c'est hyper mal pensé. On fait pas le tchal, laissons tomber. Pourquoi vous mettez ces tchals là, Dofus, dans cette zone? Réfléchissez deux minutes. Dommage, on n'a pas eu de chance sur les tchals. Que le tchal de la fleur de lotus là... Non mais fleur de lotus, c'est le nom d'un vécu, on est d'accord. Oh dommage, tu n'es plus sur l'île, j'aurais tellement aimé te rencontrer. Mais pas grave, la vie est pleine de surprises. Oh tu sais, et l'Indiel, il y avait peu de chances de me croiser sur l'île. Hein. Parce que j'habite ici ou ailleurs, je ne sors pas. C'est genre, il commence à y avoir un peu beaucoup de monde sur ce terrain. C'est la Paris Games Week ici, en direct du Donjon Vortex. C'est pas très Covid. Ah, on déplie tout, comme si on n'avait rien fait. Attendez, non, parce que c'est magnifique quand même. Donc moi, j'ai mis plus de 6 minutes à faire ça. Vous voyez la différence par rapport au début? Non. Allez, il met dessus, il met dessus, il met dessus. Il met dessus, pas en dessous. Et lui, il est bien redressé. Un dragon. Je pourrais pas faire mieux, je pense. Ah non, mais il fait des petits zigouigouis dans les ailes aussi. D'Alfred Hitchcock. Celui où il y a... Avec le poignard dans la douche. Ce film là même. C'est là où tu fais tes séances de psy. Tu sais, quand des filles font de la ASMR, avec ce truc micro qui ressemble à un lobe d'oreille, et qu'elles sont là. Ça dépend de comment tu fais les choses en fait. Après moi je te sors ma grosse langue là, c'est pas très... on y repassera pour le côté glamour de la chose, mais voyez. Voyez de quoi je parle. Quel pied. Ah quel pied. J'avais jamais fait gaffe que le bundle Nouvelle Vie, il y a une des potions, elle a vraiment une forme de gland. Oui, c'est la potion de changement de sexe. Pourquoi je suis pas étonnée? Tout le monde est parti, vous êtes seul. Oh non, ils attendent là. Oh non. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre jour j'ai eu un petit problème de chaussons. Est-ce que je vais pouvoir lever la jambe? Parce que maintenant ça devient un peu compliqué. Donc mon premier cadeau, c'est le renouvellement du chausson. Et est-ce qu'ils sont pas trop... Est-ce qu'il n'est pas trop beau? En plus il est tout doux, j'ai vraiment envie de lui caresser les boules. Oui, mais c'est qu'il est gentil en fait. Il a des gros champignons sur le dos, mais c'est un animal aimant. Qu'on a réussi à tomber avec acide, alors qu'il restait 14 PDV à acide. Enfin, tu vois, genre, la chatte. Et j'y suis aussi pour le petit Moon. Il y a un mob, une fois que t'es transformé en petit singe, il faut que tu le cherches. Il peut tomber sur n'importe quel mob aléatoire. Et moi, j'ai juste eu à changer de map et il était là direct. Donc tout le monde, la chatte. Donc effectivement, j'ai une grosse chatte sur cette... Non c'est faux. Oui, tu m'as pas eu. Non. Je me fais courser par des vieux moines. Le jeu un peu pédophile. Mais justement, il y a des enfants sur la plateforme. Mais laissez voir des seins aux enfants. Ils sont nourris au sein. Un nouveau-né voit... Qu'est-ce qu'il voit tous les jours en face de sa mère? Il voit un gros sein comme ça, il a un téton dans la bouche. C'est normal. Je reste là et après on va pouvoir y aller.
Je peux pas passer, il est trop gros, il bloque tout le passage. Ouais, mais là, il me regarde droit devant, c'est naze. J'ai envie de lui jeter le caillou dessus. Bim. Ça ne marche pas. Il y en a eu des énigmes casse-tête. Mais là, je vois même pas ce que je peux manipuler, à part ce cercle-là. J'ai appuyé sur une touche sur laquelle je n'avais encore jamais appuyé, à savoir le rond de ma manette. C'est les cerfs concentriques, ça voulait dire rond. Les enfants surdoués ne sont pas que des petits prodiges au QI élevé. Maintenant. Non. Non. J'ai tardé à lancer mon caillou. Oh non, il m'a pas vu, Yes, yes. Oh, le brainage. Lui, il me verra plus, je suis dans l'ombre. Par contre, lui... Nickel. Oh là 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 là. Le speedrun de la joueuse française. Ce sera 3... C'est tout en bas, je crois. Bon, après, j'ai pu me fourvoyer sur des lignes parce que ceux-là sont un peu plus compliqués à gérer. Mais je crois qu'on tient quand même le bon bout. Parce que non. C'est vrai. Oui ! Je n'ai rien compris, mais GG. Je suis la plus forte. Personne n'a rien compris, sauf moi. Alors, un enfant surdoué, c'est un enfant avec un fort potentiel intellectuel. Mais what? C'est si violent! Magnifique! Quelle pro-playeuse du tambour! Et je crée un zap. On sait comment les zaps sont faits maintenant. Voilà, vous avez la solution. Oh my god! Je m'attendais pas à me faire manger! Je pensais que ça allait être un combat simple! J'ai vu un coffre d'apparence, coffre trésor. Attention, le coffre OS au corps à corps, oui, j'aurais peut-être dû lire les trucs. Sois impartial en tout, pense à toi-même avec légèreté et profondément au monde.